Je suis Bernard Langlois, directeur de recherche émérite au CNRS. Je suis chimiste organicien de formation et j'ai consacré toute ma carrière à la chimie organique du fluor, à la fois dans le domaine industriel, puisque j'ai fait de la recherche industrielle pendant plus de 20 ans, et à la fois au CNRS, dans la deuxième partie de ma carrière, où j'ai aussi officié pendant 20 ans. Mais quelle que soit mon appartenance, j'ai toujours adhéré à la Société chimique de France, parce que j'estime qu'il est absolument nécessaire que notre chimie française, qui est extrêmement brillante et qui n'a absolument pas à rougir face à la chimie anglaise, allemande, américaine ou japonaise, doit absolument se réunir pour avoir une voix suffisante dans la chimie mondiale. Ne serait-ce que parce que les réunions de la Société chimique de France permettent de rencontrer des tas de gens, et rencontrer des tas de gens, c'est toujours tout à fait enrichissant. Ça donne même des idées pour travailler. Et puis aussi parce que cela permet d'être respecté par les autres sociétés chimiques qui ont un nombre de membres la plupart du temps plus important que la nôtre. Et c'est ça qu'il faut absolument combattre pour que nous puissions parler d'une seule voix et être vraiment un interlocuteur tout à fait respecté dans le monde de la chimie qui est de plus en plus international. Et c'est pour ça que maintenant que je suis retraité, entre guillemets, j'estime avoir un devoir envers la Société chimique de France pour lui consacrer justement un peu plus de temps. Et nous ne pourrons faire des choses que si vous êtes nombreux. Donc moi, je suis membre de la Société chimique de France. Et vous? Nous sommes membres.